coucou à tous. Donc, je profite du beau temps après 15 jours pratiquement de pluie, dont des pluies torrentielles. Donc là, il fait beau, ça fait du bien de voir ce ciel, ça change un petit peu. Donc, je vais faire un point cette fois. Je vais rester que sur les tomates, je vais pas m'attarder sur le reste. Je ferai une autre vidéo pour ce que j'ai fait autrement, mais... Donc là, je vais m'attarder sur les tomates. Comme en ce moment, on parle pas mal de tomates, eh bien moi, je vais vous faire un point sur les miennes. Voilà. Allez, on avance. Alors, ça, c'est celle qui se trouve devant la maison, qui se trouve... Donc, celle-ci que je suis en train de filmer se trouve orientée sud-est. Donc, elles sont magnifiques. Donc, elles sont le long de la maison. Donc, elles sont un peu protégées. Donc, forcément, c'est les plus belles. Franchement, elles sont magnifiques. Et là, comme vous voyez, j'ai une partie en tuteré et l'autre partie qui va, comme là, c'est au pied des bananiers. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu de place. Et ben, je vais les laisser courir sur le sol. Surtout qu'ici, il y a des écorces de pin, il y a des choses au pied. Donc, elles seront sur un sol qui est en plus drainé. Donc, elles, normalement, elles ne resteront pas dans la flotte. Donc, voilà. Donc, elles sont vraiment... Je pousse un peu la feuille de bananier, là. Mais ça fait des super buissons. Hein. Comme je vous ai dit, alors quelquefois j'ai planté. Alors par pied, il peut y avoir un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, cinq pieds, six pieds de tomates. En fait, je les ai laissés un peu se débrouiller. J'ai fait comme dans la nature en fait. Il faut savoir que quand une plante graine, elle ne va pas choisir où elle met ses graines. Parfois, il peut y avoir des plantes, enfin des graines qui tombent au même endroit. Et comme il peut y avoir des graines qui tombent bien séparées les unes des autres. Donc, bah en fait, j'ai fait comme si... en fait, j'ai balancé quelques graines par godet au début. Et puis, au début, je pensais les séparer, garder les plus belles. Puis, je me suis dit, oh, allez, advienne que pourra, je fais des essais. Et j'ai donc, du coup, j'ai planté par poquet. En fait, bah, j'ai planté les godets entièrement. Même s'il y avait 10 graines, je plantais les 10 graines, donc les 10 pieds qui étaient partis. Si toutefois, ils étaient tous partis. Et donc, j'ai eu des bons résultats. Donc, certains étaient plus chétives que d'autres, hein, c'est normal. Il peut y avoir concurrence, comme elles peuvent s'aider entre elles. Donc, j'ai tout mis. J'ai donné une chance à tout le monde. Et franchement, pour le moment, je ne regrette pas en tout cas. J'ai fait un tutorage rapide. Les plantes sont forcément très serrées parce que déjà il y a plusieurs plants. Je laisse tous les gourmands, donc ça fait des sacrés buissons. Elles sont énormes. Elles sont énormes et très belles. Et franchement, donc là, je ne sais plus si j'ai dit la date. Nous sommes le 22 juin. Donc forcément, elles sont dehors. Donc, et puis, comme je laisse tous les gourmands, donc elles vont être un peu plus tardives que quelqu'un qui a mis en serre, que quelqu'un qui ne dirige que sur une tige, voire deux. Mais par contre, les pieds sont bourrés de tomates. Hein. Bon là, c'est parmi les feuilles. Donc comme elles sont vertes, c'est pas toujours évident à voir. Mais il y en a vraiment, voilà, il y en a partout. Hein. Il y en a vraiment partout. Là, c'est sur un pied, mais il y en a vraiment partout. Et donc voilà, je voulais vous faire voir ça parce que je pense que on s'emmerde. En fait, on s'emmerde énormément. Donc, pour quelqu'un qui coupe les gourmands, en fait, enfin, chacun fait comme il veut, bien sûr. Peut avoir aussi du résultat, bien sûr. Et bon, il y a des avantages aussi à couper les gourmands, surtout quand on n'a pas de place. Bon, moi, c'est pas mon cas, j'ai de la place, donc et donc du coup, je laisse toute la chance au pied de tomate. Et il faut savoir, comme pour nous, hein, et, si on se blesse, si on, je sais pas, si il y a des intempéries, si on peut tomber malade. Alors, ça ne veut pas dire que même si on n'est pas blessé, si, même s'il n'y a pas d'intempéries, qu'on ne puisse pas tomber malade. Mais on peut mettre toutes les chances de notre côté en évitant forcément de s'exposer pas trop froid, d'avoir trop froid peut-être, d'avoir... Alors, c'est pas une question de bactéries ou quoi que ce soit, c'est un... En fait, c'est une question d'être, comment dire...
d'avoir assez d'énergie. On va dire si notre corps, c'est pour ça que je ramène souvent la santé humaine, la santé des plantes, parce qu'il faut savoir que les plantes, tout comme nous, sont pourvues de microzymas, qui sont des petits micro-organismes qui sont là en fait pour nous, pour nous, comment dire, qui sont là pour la construction en fait, qui sont là pour nous aider. C'est des petits bâtisseurs de la vie, comme certains les appellent, dont le docteur Scoï. Et donc du coup, en fait, ces petits bâtisseurs, c'est eux qui vont monter et démonter certaines bactéries, mais qui sont là pour nous aider et non pas pour nous tuer. Alors c'est pareil pour les tomates, que ça soit pareil pour tous les végétaux, pour les animaux et nous aussi, bien sûr. Nous sommes tous pourvus de microzymas. Voilà, nous ne sommes pas une exception. Les végétaux aussi. Donc c'est pour ça que je ramène ça aussi aux tomates. Donc bien sûr, les tomates n'attrapent pas de virus, n'attrapent pas de bactéries, ne sont pas, comment dire, n'attrapent pas de champignons. En fait, tout est déjà en elles. Si elles sont affaiblies de base, mettons dans leur système génétique de base, ça peut aussi venir du système génétique de base, suivant la personne qui les a élevées à la base et qui a récupéré les graines, ça peut être une partie en génétique, mais la génétique peut s'améliorer en fin de compte suivant ce que l'on fait sur les tomates. C'est comme pour nous, hein, c'est comme pour nous avec l'épigénétique, rien n'est irréversible. Contrairement à ce qui est dit certaines fois, donc rien n'est irréversible du tout. Donc on peut remonter sa génétique, c'est comme les neurones. À un moment, beaucoup disaient qu'on perdait des neurones. En fait, les neurones, ça peut se récupérer à n'importe quel âge. Il suffit de travailler un petit peu son cerveau, entre autres. Mais bon, il n'y en a pas que dans le cerveau qu'on parle comme ça. Il faut savoir que notre microbiote, hein, qui est dans notre bedon, contient aussi énormément de neurones et on en a aussi énormément au niveau du cœur. Donc en fait, on a trois cerveaux. Voilà, donc là, je reviens aux plantes. Donc au niveau des plantes, donc c'est pareil. Il n'y a pas de virus à attraper, il n'y a rien du tout. La seule chose, c'est que il faut savoir que nous sommes des êtres qui peuvent être organisés ou désorganisés. C'est-à-dire, alors on pourrait, à l'heure actuelle, on parle souvent de système immunitaire. Alors ce n'est pas, on ne peut pas parler vraiment de système immunitaire parce que le système immunitaire est basé sur une guéguerre. C'est-à-dire entre les mauvaises et les bonnes bactéries, voilà. Donc en fait, ce n'est pas un système de guerre du tout. Ces plantes, en fait, voilà, elles peuvent avoir des défenses, tout comme pour nous, ou être affaiblies par différentes choses. Donc, comme je disais, ça peut être la génétique déjà de base. Après, il peut y avoir le temps qu'on a eu pendant 15 jours, là, où il s'est mis à flotter, mais énormément. Après, c'est vrai qu'ils se mettraient à flotter tout le reste de l'été, puis elles ne verraient plus du tout le soleil. Bien sûr, là, elles seraient complètement affaiblies, et puis voilà, elles ne pourraient pas, peut-être pas remonter la pente et on n'aurait sûrement pas de tomates, ce qui m'est arrivé l'année dernière, vu que j'avais fait mes pieds de tomates beaucoup plus tard que ce que je les ai fait cette année. Et comme le temps il est en train de changer, donc là cette année j'ai anticipé, j'ai fait mes plants beaucoup plus tôt et je vois franchement la différence, ça n'a rien à voir. Ils sont vraiment magnifiques. Et donc là, forcément, c'est les plus belles parce qu'elles sont devant. Mais je vais tout vous faire voir, hein, puis on verra justement les différences de ce qui peut les affaiblir, parce qu'à la base, ce sont que les mêmes pieds, mais elles sont placées à différents endroits. Et donc voilà, je vous ferai voir la différence. Donc voilà, donc pour parler comment dire, du fait que les tomates peuvent être tombés malades ou pas, comme pour tout le reste des êtres vivants, en fait, hein, nous y compris. Ça peut venir. En fait, le problème est souvent interne. Alors, ça peut être un stress. Alors, même la plante peut être stressée. Elle peut être stressée par le temps, elle peut être stressée par. Je sais pas, une bébête qui vient la mâchouiller, elle peut être stressée par le fait qu'on lui coupe les gourmands, voilà. Et c'est ce stress, donc ce qu'on peut appeler pour nous un stress oxydatif par exemple, qui peut provoquer la maladie. Alors, les maladies n'existent pas, mais on peut tomber malade, voilà. Ce qui est complètement différent. Il faut savoir que le système de santé actuel a créé des maladies. Mais la base est la même pour toutes ces maladies, soi-disant. En fait,
tout vient d'un problème souvent, d'un manque de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'acides aminés, enfin bref, une carence. Ça peut venir d'un problème de peur, de stress. Ils savent très bien y faire avec d'ailleurs les médias, hein, la peur, le stress, comment générer la peur et le stress chez les gens, y compris l'enfermement, l'enfermement. Hein. Donc l'enfermement crée aussi un stress pour certains. Donc pour des gens qui sont comme moi à la campagne, qui peuvent bénéficier d'un terrain qui, voilà, qui peut sortir, bon, il n'y a pas le même stress que quelqu'un qui va être en ville, enfermé entre ses quatre murs. Voilà. Enfin bref, voilà. Il faut, comment dire, remettre tout dans le contexte et toute la médecine actuelle. Mais enfin, on nous cache vraiment la véritable médecine qui est derrière, hein, qui est exercée dans beaucoup de pays. Mais la France, elle bloque un petit peu. Et donc, il faut comprendre que tout le stress est souvent à la base de tout. Le stress, la peur. Et forcément, la pluie, bon, pour les tomates, tout ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça leur crée un stress. Comme pour nous, ouais, si, je vous rassure que, enfin, je vous assure que si on se coupe ou si ça crée forcément un stress, même sans le vouloir, en fait, comment dire, même si on pense qu'on n'est pas stressé, à l'intérieur, ça fait pas forcément la même chose que ce que l'on peut penser à l'extérieur. Hein. Donc voilà, j'espère que je suis assez claire. C'est pas forcément évident à comprendre pour tout le monde, surtout qu'on met un pied dedans. Mais tout ça, bon, alors voilà, tout ce que je vous raconte là, et forcément, il y a tout ce qu'il faut scientifiquement derrière, hein, ça rejoint l'épigénétique, hein, donc la biologie de l'humain, des plantes et tout le reste, hein, c'est pas des mots en l'air. J'ai d'ailleurs, si vous regardez bien mes vidéos, qui ne sont pas forcément basées que sur le jardin, les plantes, vous allez trouver d'autres liens qui sont tous liés. Que je parle de physique quantique, que je parle de jardin, que je parle de biologie, que je parle de microzima, tout ça, c'est lié. C'est pour ça que le problème à l'heure actuelle, c'est justement que tout est dissocié. On vous a jamais dit qu'il fallait diviser pour mieux régner? Ben, c'est exactement ça, en fait. Alors, il faut arrêter de diviser chaque chose. Donc, le jardin d'un côté, la santé de l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait diviser encore? Enfin, bon, bref, on peut tout diviser dans la vie. Hein. Il faut savoir que en médecine, c'est pareil à l'heure actuelle. Tout est vite divisé aussi par. Alors, on a comment dire, un spécialiste de ci, un spécialiste de ça. Mais le problème, c'est que avoir chacun sa spécialité. On ne peut pas soigner, c'est pas possible, parce que le corps n'est pas qu'une chose. Il faut le prendre par différentes choses pour pouvoir trouver le moyen de se soigner, entre autres, hein, ou remonter, alors, ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle son système immunitaire, mais plutôt remonter son énergie. Donc, le seul moyen, ben, c'est simple, c'est de manger sain, de boire une eau saine. C'est pareil pour les plantes. Essayez d'arroser une plante à l'eau du robinet. Et arroser-la à l'eau de pluie. Franchement, les mêmes pieds, hein, mettons la même variété et tout, et vous voyez la différence. Vous les mettez au même endroit et vous allez voir la différence. Et si c'est une pluie d'orage, c'est encore mieux parce qu'elle est chargée électriquement d'une certaine manière. Donc là, on peut rejoindre l'électroculture, on peut rejoindre la bioélectronique de Vincent. Voilà, c'est. Il faut vraiment. Augmenter son champ d'action, augmenter sa vision. Si vous restez bloqué sur le jardin, la santé, je sais pas, l'alimentation, personne n'y arrivera et personne ne comprendra non plus. Et malheureusement, c'est ce qui est fait à l'heure actuelle et ce pourquoi les maladies, entre guillemets, voilà, enfin, les gens malades sont pas prêts d'être guéris. Si on suit ce système de santé, les Chinois ont compris, comment dire, dans la médecine en Inde, c'est pareil, ils sont bien plus en avance que nous, contrairement à ce que pensent certains. Ils sont beaucoup plus en avance parce qu'ils prennent le corps dans sa totalité. Et c'est pareil pour les plantes.
C'est une totalité qui. Donc voilà, donc pour en revenir aux tomates, c'est pourquoi je ne coupe pas les gourmands, sauf si je suis embêtée, voilà, si vraiment ça tombait, elles peuvent même se casser toutes seules. Mais il faut savoir aussi que ça peut arriver dans, on va dire, si on les laissait aller toutes seules, même sans couper les gourmands, elles pourraient très bien se casser. Par exemple, là, il va être temps que je tuteure ce côté-là, là. Mais enfin, quand je dis je tuteure, je vais prendre. En fait, une ficelle que je vais tendre là pour éviter que, une fois avec le poids des tomates, les tiges cassent parce que là, elles n'auront rien pour reposer au sol vu que c'est sur un muret. Donc, ce serait dommage de les casser. Alors, faut que je le fasse avant que les tomates arrivent. Mais voilà. Donc voilà. Donc là, c'est celle qui se trouve sud-est. On va avancer parce que j'en ai d'autres qui se trouvent donc là, plein sud. C'est pareil, le long de la maison. Hop. Je me prends les feuilles en pleine tête. Alors là, j'ai pas désherbé. Voilà. Oh là là, j'ai rien fait de bien. J'ai pas désherbé du tout. J'ai laissé tout au pied. Donc voilà. En fait, les feuilles sont à l'humidité. Hein. Alors, vous allez voir que parmi, il y a des plants de tomates qui se portent très bien, mais qui sont vraiment magnifiques. Et d'autres qui le sont un peu moins. Et par exemple, celle-ci, regardez. Elle est. Alors, elle est jaunie d'ici. Par contre, voilà, il y a certaines fleurs, il y a certaines feuilles qui sont pas mal. Eh bien, je n'y touche pas. Là, je vais laisser comme ça parce que c'est des plantes qui étaient pas très, qui étaient chétives que déjà quand je les ai mis, contrairement à certains pieds qui sont déjà ici. Et en fait, ces plants-là, eh ben, je leur ai donné une chance. Je les ai mis quand même en terre. Donc, c'est vrai que comme moi, je les ai plantées début mai. Elles ont subi aussi le froid, la pluie plusieurs fois, parce qu'on a eu quand même deux fois où ça tombait vraiment à seau, hein. Et puis pendant un bon bout de temps. Après, on a eu des périodes vraiment où il n'y a pas eu de pluie pendant un bout de temps, donc j'ai arrosé avec l'eau du robinet aussi entre-temps. Donc c'est pas l'idéal non plus hein, pour les plantes, comme tout comme pour nous d'ailleurs, hein, contrairement à ce que la plupart pensent. Bon, ça c'est un autre sujet, on verra ça plus tard. Et puis j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur l'eau que je bois même moi-même d'ailleurs. Voilà, et je ne bois pas d'eau du robinet, je ne bois pas d'eau en bouteille. Vous irez voir si vous êtes intéressé. Donc voilà, donc ces plants-là, ben, à un moment donné, je pense que les feuilles tomberont, hein, les feuilles abîmées, hein, elles finiront par tomber et puis être remplacées par des jolies feuilles. Ce qui s'est passé déjà sur plusieurs, parce que toutes celles-ci étaient vraiment pas belles au début, elles étaient jaunes, elles étaient vraiment pas belles. Et puis ben, maintenant, on peut regarder, hein, j'ai des petites tomates qui viennent un petit peu partout. Donc j'en ai là, j'en ai un peu partout, mais comme je les laisse en buisson, donc forcément c'est plus difficile de les voir tant qu'elles sont vertes. Là il y en a d'autres, enfin bon bref, il y en a un petit peu partout. Hein. De toute façon, pratiquement tous les pieds ont des tomates, hein, du moins sur les beaux pieds. Donc voilà, je laisse faire la nature, j'ai laissé au pied, j'ai mis des graines de courge par-ci par-là, je ne sais pas si elles vont prendre dans tout ce bourrier, ou si elles vont se faire manger, enfin bon bref, parce que là avec la pluie qu'on a eue, forcément on a eu bah, quelques ravageurs, peut-être de petits escargots, de petites limaces qui sont venues me ravager mes pieds. Mais des fois, je mets ça sur les limaces, mais je crois qu'il y a aussi les petits oiseaux qui viennent faire un tour et les rongeurs. Donc voilà, les limaces, des fois, elles ont un peu le dos large. Donc voilà, regardez mes pieds, franchement, quand on regarde, ils sont vraiment magnifique, hein. Et là, ils sont dehors, ils ont pris la flotte, ils ont tout pris. J'ai rien de malade à part les pieds qui étaient déjà pas beaux en fait. Hein. Voilà. Mais ceux-là sont passés par là au début. Ils étaient chétifs. Je vais vous faire voir les pieds comment ils étaient un peu au début parce que il y a une partie de mes plants de tomates qui ont été mis beaucoup plus tard parce que vu que j'ai à peu près 300 pieds. Donc quand je dis 300, il y en a même plus parce qu'il y a des fois il y avait plus de pieds par poquet, on va dire. Donc du coup je me suis pas bah, le temps que je plante tout, il m'a fallu une semaine, 15 jours, et encore j'ai fait vite, hein. Et donc les dernières qui ont été mises en place sont moins belles et forcément j'ai mis à des endroits plus stratégiques celles qui étaient déjà belles pour être sûre qu'elles s'en sortent.
Mais je laisse une chance aux autres. Je ne vais pas les retirer. Et on va voir ce que ça va donner. Il y a des chances qu'elles soient plus tardives, qu'elles mettent du temps à récupérer. Mais il n'y a pas de raison qu'elles ne s'en sortent pas. On va voir ça de toute façon. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc là, celle-ci, elle ne monte que sur une tige, je pense. Hein. Enfin, que sur un pied et les gourmands. Parce que j'enlève pas les gourmands. Mais voilà, celle-ci se plaît aussi. Voilà, donc là, c'en est une autre. Là, il y en a plusieurs au pied. Là, il y a encore des tomates. Enfin bon, bref. Là, les pieds, en fait, puis après, ça dépend des variétés aussi des tomates. Hein, suivant, elles sont placées. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le principal, c'est qu'elles nous fassent à un moment des tomates. Le reste... Donc là, je vais couper. Je vais vous reprendre plus loin. Donc, je continue. Donc là, j'arrive, en fait, le long de ma butte. Donc, pas très loin des poules. Donc, je suis plus dans le fond du jardin. Donc là, c'est des pieds que j'ai mis donc déjà bien après celles qui sont devant, mais qui ont eu du mal aussi à partir. D'ailleurs, je vous fais voir, hein, elles sont encore jaunes pour la plupart, mais quand on regarde les dernières feuilles, voilà, les feuilles sont très belles. Donc, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ben, les feuilles du bas qui ont jauni en fait par le temps, par la pluie peut-être, par différents problèmes, en fait vont finir par tomber et voilà, être remplacées. La plante, elle est en train de reprendre du poil de la bête et puis voilà, est en train de me sortir des petites fleurs. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, le temps qu'elle reprenne, mais elle va reprendre. Et donc, tout est comme ça, en fait. Rien n'est irréversible. Hein. Il y a toujours... c'est comme nous, en phase de cancer, faut pas penser qu'il y a la mort au bout. Si vous le pensez, si vous avez peur, et si vous êtes convaincu de mourir, et si on vous a dit en plus que vous allez les mourir, forcément, le corps engendre un système de peur, un système de stress. Et là, bien sûr... C'est là le risque. La maladie en elle-même, si on veut dire, si le fait que vous soyez tombé malade, d'ailleurs le cancer ne vient pas de l'extérieur, hein. Combien de fois on vous dit que le cancer, en fin de compte, on l'a tous en nous, il se développe pas. L'obésité est aussi une forme de cancer, il y a beaucoup de choses en fait. Et donc du coup, en fait, ce n'est pas quand le cancer arrive, en fait, c'est la phase de guérison, contrairement à ce qu'on nous dit. Mais bon, c'est pas facile à vous expliquer comme ça. Hein. Il faut se pencher vraiment sur des documents pour pouvoir après se faire une idée. Bon, moi, quand j'ai commencé à pencher là-dessus, ça fait déjà 15 ans, et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et j'ai cru aussi tout ce qu'on me disait au début. Et puis, je me suis penchée aussi sur la naturopathie, mais je me suis rendu compte que la naturopathie en fait allait dans le même sens plus ou moins que la médecine actuelle, hein, ce qui est tout à fait logique, c'est pour ça qu'elle est acceptée. Mais oui, il y a une partie de la naturopathie qui est bonne, mais elle ne prend pas en charge certaines choses. Donc c'est pareil, il faut arrêter de dissocier et de voir tout dans son ensemble. Donc voilà, donc pour en revenir encore à mes tomates, voilà, donc celle-ci qui était pourtant pas forcément super belle. Donc, elles sont moins grosses parce qu'il doit y avoir moins de pieds que là-bas. Mais voilà, hein, il y a des fleurs, il va y avoir bientôt... Donc là, elles sont... il y en a, voilà, les tomates. Là, il y a des petites grappes de tomates qui arrivent. Hop. Donc, suivant où elles sont placées, forcément, elles sont plus ou moins tardives. Oui, ma chérie, je vais te donner à manger. J'arrive. Et puis, donc je vais couper, je vais donner à manger à ma petite chatte qui est dehors là. Et puis, je reviens en fait pour continuer. Donc, j'en étais ici. Donc, je continue en fait sur la planche d'à côté. Hein, même si moi, c'est pas très défini comme planche. Mais c'est organisé. C'est quand même organisé. Donc là, c'est pareil. Des fois, il y a un pied, deux pieds, trois pieds. Voilà, peut-être pas plus dans cette zone. Et ben les tomates, c'est pareil, étaient très chétives. Et puis il y en a, va falloir que je mette des tuteurs un petit peu plus grands bientôt, là. Parce qu'elles arrivent en bout de tuteurage. Donc, très bien, hein, c'est pas grave. Je vais reprendre un bambou plus grand, je vais rattacher dessus, et puis voilà. Et donc, là, c'est pareil. Et les tomates, je pense, commencent à venir par endroits. Oui, voilà, c'est pareil. Alors, elles sont plus en retard que celles de devant, parce qu'elles sont pas placées au même endroit. Mais voilà, il y a plein de... Il y a plein de petites grappes quand même de fleurs. Et tout, quand on regarde les feuilles, elles sont en pleine forme, quoi. Tout
tout est en pleine forme. Et pourtant, quand je les ai mis, elles étaient, je peux vous assurer, elles étaient pas trop mal, mais elles étaient chétives. Quand je les ai mis, et après, bon, elles ont dû choper un coup de froid, parce que quand je les ai mis début mai, il faisait encore pas super chaud, puis ils ont annoncé un peu de froid après. J'ai même eu un peu peur de les perdre. Donc elles ont, voilà, elles ont pris un petit coup, mais je les ai laissées en place. Eh ben j'ai bien fait parce que voilà, elles sont vraiment superbes. Donc là c'est pareil, j'en ai d'autres. Hein. Voilà, j'en ai mis partout. De toute façon la tomate, hein, je vous ai dit, il y a 300 pieds et encore même plus. Hein. Donc là c'est pareil, il y a des tomates aussi. Hop, il y a des tomates. Donc je vais avoir de la tomate cette année. Alors bien sûr, quand je dis je vais avoir de la tomate, je dis ça sans penser que le temps peut vraiment passer. Mettons, s'il y avait plusieurs mois de pluie à suivre, forcément, il n'y aurait pas forcément de tomates. Elles n'auraient plus le temps de mûrir, comme l'année dernière. L'année dernière, ce qui s'est passé, hein, normalement au mois d'août, j'aurais dû avoir des tomates, sauf qu'au mois d'août, on a eu un temps vraiment dégueulasse ici. On a eu de la pluie, des orages, enfin bon bref, des pluies d'orages. À tort l'arigot, donc puis il faisait pas forcément super chaud, donc elles ont pas pu mûrir en fait. Donc voilà, donc là il y a une partie ici et donc une partie de l'autre côté encore. Donc là c'est pareil, elles sont placées. Alors comment on pourrait dire? En fait, là c'est dans une clairière aussi en fait de mon sous-bois. Hop, voilà, elles ont le soleil quand vraiment il est vraiment au zénith, tout en point. Enfin, je ne suis pas sûre, on appelle ça au zénith, en fait, tout en, enfin, bien au-dessus. Autrement, elles l'ont très très peu, parce que, bon, l'est étant ici, voilà, de ce côté-là, donc mes tomates étant là, là, celles que je vous fais voir, et l'ouest, de l'autre côté, et donc le sud, par là. Donc, tant que le soleil n'est pas bien en haut, elles sont en mi-ombre. Eh bien, elles s'y plaisent très bien aussi. Elles sont plus tardives que devant, mais elles s'y plaisent. Et là, il y a une autre particularité, c'est qu'elles poussent parmi mes patates. Voilà. Donc, je vais vous faire voir certains pieds de pommes de terre, certains pieds de tomates. Certains sont plus chétifs que d'autres au niveau des tomates. Bon, les pieds de patates se portent très bien pour le moment, en tout cas. Alors, on regarde mes patates. Voilà. Voilà, les pieds de patates. Voilà, il y a une vigne à côté. Hein. Ça se plaît bien. Voilà, tout est mélangé. Hein. J'ai de la mélanchée parmi. Il y a un peu de tout. Je dois avoir... ouais, je ne sais plus trop ce que j'ai mis. Il y a des trucs qui ne sont pas sortis. Mais bon, voilà, il y a pas mal de petites choses. Et si on regarde à côté, par exemple, là, j'ai un pied de tomate à côté, parmi les patates. Tchouk, tchouk, tchouk. Et voilà. Là, il y a deux tomates qui arrivent aussi. Alors, certaines sont encore jaunes, sont encore en train de récupérer. Voilà. Mais elles ne sont pas perdues, elles étaient vraiment pas mal pourtant. Hein. Et là, hop, oh, ben c'est flou, j'essaie de récupérer le flou. Voilà, il y a quelques petites tomates aussi. Donc ici, voilà, elles sont plus tardives. Les pieds étaient moins beaux plus que ceux que j'ai mis devant. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont être perdues, loin de là. Donc je continue, je vous prends un petit peu plus loin, je pourrais laisser la vidéo, mais voilà, je vais vous reprendre. Alors après, j'en ai mis aussi dans chaque petit bac que j'ai mis comme ça, enfin, chaque beau bac quand même, elles font ouais, peut-être 50 de large. Et donc voilà, il y a un pied de tomate souvent central, donc voilà, qui se place, donc là il va monter dans le chêne. J'ai mis un tuteur pour rejoindre le chêne. Bon, il n'y a pas que ça hein, qui va monter, hein, et, voilà. J'ai mis pas mal de choses à monter et puis à côté, on voit même que la chayotte est bien partie. Et voilà, elle monte. Donc j'essaie de qu'elle monte pas trop malgré que cet arbre est pas... Oh bah même si elle montait en haut de l'arbre, j'arriverais je pense à les prendre. Mais bon, il n'est pas très haut cet arbre. Donc voilà, je retourne à mes tomates. Donc ici, je suis derrière la serre du fond. Donc une des plus grandes serres. Donc qui me sert pour faire mes semis hein, souvent que je vous filme dedans pour l'instant en attendant d'y faire peut-être un jour autre chose. Donc là j'ai mis aussi d'autres pieds de tomates que j'ai tuturés il n'y a pas très très longtemps hein, voilà j'ai fait vite fait hein. En fait j'ai pris des bambous et puis là où étaient placés les pieds de tomates j'ai mis un bambou et j'ai rejoint, voilà, donc comme ça, elles ont de quoi monter au besoin. Alors, c'est pareil, elles étaient toutes jaunes, et là, elles poussent dans une, on va dire,
dans un endroit où le sol n'a jamais été travaillé. Je n'ai pas passé de grelinette, je n'ai rien fait du tout. J'avais juste paillé pendant quelques temps, ouais, à peine un an, je crois. Et j'ai rien fait de tout, j'ai planté le pied comme ça dedans. Et bah, les tomates se portent bien, elles étaient jaunes au début aussi. Et puis bah, maintenant, bah, les pieds sont moins touffus parce qu'il y a moins de pieds dedans. Mais voilà quoi, elles se portent à merveille. Donc là, pour l'instant, elles sont à l'ombre. Nous sommes encore le matin. Mais voilà, dès que le soleil va être bien au-dessus, là, eh ben, ça va être en, là, c'est en plein cagnard, par contre. Hein. Là, ça chauffe. Une fois que c'est parti, ici, ça chauffe dur. Mais voilà, il faut que le soleil soit en haut ou de ce côté-là. Parce que autrement, là, côté est, donc qui est de l'autre côté, je ne sais pas si vous allez voir. Donc j'ai les grands chênes et puis de l'autre côté, bah là j'ai la serre, donc du coup bah, c'est à l'ombre pour l'instant. Mais ça leur fait du bien, ça leur donne de la fraîcheur au moins une partie de la journée. Donc on va aller voir plus loin, parce que j'en ai d'autres ailleurs aussi. Donc là, elles se plaisent, hein, regardez, là c'est le plus beau pied, donc après ça dépend des... C'est pas pour ça qu'il a des tomates pour l'instant, mais il y a des fleurs. Voilà, s'il est plus tardif, il y a quelques fleurs, donc ça va pas tarder je pense, hein. Voilà, il est en train de faire ses fleurs. Et là, c'est pareil. Elles sont en train de faire. Voilà. Voilà. Ah bah là, celui-là, il a des petites tomates qui commencent aussi. Hop. Voilà, ça vient. Donc voilà, faut pas désespérer, même si un pied qui est jaune. Enfin bon, moi, je suis pour laisser la chance à tout le monde. Voilà, c'est pas parce que. Surtout que ma fille est handicapée, hein, voilà, sous prétexte qu'elle est handicapée, je ne l'ai pas tuée pour autant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait. C'est pas parce que la personne est malade ou est handicapée que je vais lui donner en plus un coup derrière la tête. Donc, elle a le droit d'avoir sa chance aussi. Donc, voilà, je vais un petit peu plus loin. En fait, je ne vais pas bien loin, je suis juste derrière, j'ai oublié de signaler celle-ci. Donc, celle-ci. Alors là c'est pareil, elles étaient vraiment pas belles. Et puis ben là, elles sont au fond, elles sont en train de faire des fleurs. Donc il y a certaines qui commencent à avoir des tomates. Donc je vais pas me rapprocher. Alors j'en ai tuteuré 4 pieds. Alors quand je dis 4 pieds, il y a des fois il y a 3 pieds au même endroit. Hein. J'en ai tuteuré 4 pieds. Mais derrière, je sais pas si vous voyez, tuk tuk tuk, je vais essayer de grossir un peu pour éviter de me rapprocher. Et bien là, en fait, vous avez de la tomate qui va pousser au sol. Donc, je les ai laissées telles quelles. Je m'en occupe pas, je les laisse faire leur petite vie. Et il y en a certaines qui ont déjà des fruits dedans. Donc, il va falloir attendre. Et puis, je vois pas pourquoi elles n'iraient pas, elles aussi. Donc, après, il y a plus de risques en les laissant au sol parce qu'elles peuvent se faire manger, bien sûr. Et c'est pas pour ça qu'elles vont pas donner leurs fruits comme les autres. Voilà, donc je vais un peu plus loin cette fois. C'est pareil à côté de la vigne, hein, les pieds étaient pas beaux et puis bah, ça repart et puis ça commence à me faire des fleurs et à me faire des tomates. Donc là c'est pareil, il y a aussi quelques pieds ici, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est sur la structure qui se casse la figure là. Hein, donc je verrai ça après avec vous, mais j'ai mis autre chose déjà à pousser dessus, puis s'il y avait besoin. Après de rajouter des tuteurs pour que ça tienne, en attendant que les arbres que j'ai mis poussent ou que le reste pousse, ben, il n'y a pas de souci, je refais une petite structure rapide. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, dans ce pot, tout pareil, il y a un pied de tomate qui est au milieu, en fait, dans tous les pots, hein, comme je vous ai dit. Mais bon, il n'y a pas que ça. Et puis après, il y a des choses qui montent, hein, qui sont parties comme le... Les haricots orteils du prêcheur, enfin bon bref, il y a des courges, ça monte. Mais ça, je referai une vidéo pour refaire un point sur tout ça bientôt. Donc voilà, ici je me trouve devant le poulailler. Donc là, il y a à peu près plus d'une quarantaine de pieds. Mais sachant qu'à chaque pied, il peut y avoir 2, 3, 4 pieds de tomates. Donc,
mais qui marchent très très bien ensemble en fait, hein. Donc elles sont plus tardives aussi parce que elles sont moins belles que celles qui sont devant parce que déjà elles ont été mises plus tardivement. Elles sont pas placées pareil, elles sont plus au soleil. Elles sont alors là pour l'instant elles sont à l'ombre, mais après elles vont être en plein cagnard. Donc puis elles auront le soleil vraiment qui chauffe le plus, hein, parce que c'est comme c'est en clairière. C'est quand le soleil sera bien haut que là ça va chauffer. Là ça chauffe après. Donc les pieds, alors que je vous dise quand même, mon beau-frère au début il est venu voir. Alors je lui ai dit que de toute façon là ces pieds-là, donc l'année dernière en fait j'avais mis une petite bâche micro-perforée en dessous pour éviter justement que bah, tout pousse sur le grillage derrière pour que ce soit plus propre, pour qu'on n'ait pas à désherber sans arrêt. Et déjà pour commencer, puis j'avais l'intention un jour, souvent, sûrement, de faire des plantations. Mais je ne pensais pas aussitôt. Et puis, donc sans travail de grelinette ni quoi que ce soit, la bâche étant restée en place, de toute façon, je ne peux pas me servir de la grelinette. Eh bien, j'ai planté mes petites tomates là-dedans. Alors, il faut savoir que j'ai un terrain qui est quand même très argileux. Donc j'ai planté mes tomates là-dedans. Alors mon beau-frère m'a dit, mais ça poussera jamais, t'auras jamais de tomates, voilà. Le petit veau, il m'a même fait un pari. Eh bien, il a perdu son pari déjà. Hein? Voilà, ça fait pas longtemps qu'il m'a dit ça, mais il a déjà perdu son pari parce que j'ai déjà des tomates. Voilà. Je ne vous mens pas, là il y en a déjà une. Voilà. Et sans travail du sol, je me suis vraiment pas fait chier, quoi. Je suis pour le moins de travail possible quand c'est possible. Le but c'est d'avoir quand même quelque chose, mais pas non plus de se casser la nénette. J'ai autre chose à faire, j'ai pas que le jardin et j'y passe déjà plus de 3 heures par jour, mais plus pour planter autre chose que de passer du temps sur des choses comme là les pieds de tomates. Voilà, j'ai passé du temps quand j'ai fait les semis et après voilà, j'ai fait le plus vite possible pour pouvoir les mettre en terre le plus tôt possible pour qu'elles puissent profiter de la pleine terre. Mais donc voilà, je vais vous faire voir quand même. Donc il y en a suivant aussi les variétés parce que vu que j'ai mis je dois avoir plus de 60 variétés, non pas 50 mais 61 ou un truc comme ça. Et donc 60 variétés, donc suivant les variétés, il y en a peut-être qui vont pas non plus se plaire ici, hein, ça dépend aussi. Là où elles ont été élevées avant, peut-être que ça correspond pas du tout à mon terrain, puis du coup elles se retrouvent dans un terrain qu'elles connaissent pas du tout. Donc le temps qu'elles s'implantent, alors si elles étaient dans un terrain bien meuble au début, elles ont ça dans leur génétique, hein, les graines, hein. Donc là, elles se retrouvent dans un terrain bien compact, très peu aéré, mais c'est pas pour ça que voilà, elles se déplaisent non plus. Elles mettent plus de temps à partir. Elles sont voilà, c'est souvent un peu plus long. C'est comme nous, on est peut-être plus dur à la détente quand il y a un problème, mais elles reprennent. Regardez ce pied, par exemple. Voilà, puis il y a de la tomate dedans. Voilà, je sais pas si on voit parce que comme c'est vert sur vert, voilà, c'est un peu. Donc voilà, les feuilles sont vraiment très vigoureuses, les pieds sont très vigoureux. Donc tout vraiment, tout est vraiment très beau. Moins grosse que devant, certes, mais tout est vraiment très beau. Voilà, je n'ai pas à me plaindre, hein, franchement, cette année, enfin du moins pour l'instant en tout cas. Donc voilà, tout le long. Donc au pied, c'est pareil, j'ai planté des graines de courge et tout. Donc beaucoup se sont fait manger parce que je ne sais plus combien j'ai planté de graines de courge en tout. Oh, j'en ai bien mis 150-200, mais sachant que je savais que beaucoup allaient se faire manger. Donc je fais des pieds à côté, mais qui se font manger aussi dans les godets si je ne prends pas de précaution. Donc l'un dans l'autre, bah, comme je garde, il suffit de garder beaucoup de graines hein, au niveau des courges, voilà, que l'on mange. Et puis bah, ces graines-là, bah, les garder pour l'année d'après. Et puis les mettre en pleine terre. Voilà, on met plein, 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 plein. Et puis, voilà, après, la nature fait le reste, quoi. Hein. Comme si ça avait été semé tout seul. Donc voilà, donc pour en revenir aux tomates, donc voilà, celles-ci, bah, elles sont très belles. Donc je referai un point, bien sûr, quand il y aura des tomates. Hein. Bon, pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu. Des tomates rouges, bien sûr, je précise, parce que là, il y a déjà des tomates. Alors ici, je me trouve devant la
Première serre, donc c'est dans les dernières que j'ai mises en place. Donc pour l'instant, les pieds sont pas beaux, ils sont chétifs. Donc c'est vrai que j'ai planté les pieds. Alors j'ai fait une structure vite fait avec de la récup qu'on avait sur place. Et donc pour les mettre dessus. Donc ils étaient bien jaunes au début, ils commencent à verdir. Mais par contre, ils sont beaucoup plus petits que les autres, mais des fleurs arrivent. Et faut pas désespérer, ils vont être peut-être un peu plus tardifs, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne fassent pas de tomates à un moment donné. Donc là, pour vous les voir, c'est un peu plus difficile, c'est parmi la verdure. Voilà. Et comme je désherbe rien, parce que j'ai plein de choses en dessous qui vont pousser, donc surtout pas un coup de grelinette ou quoi que ce soit, je ne travaille plus le sol. Une fois qu'il est fait, une fois, et encore, il y a des fois, je ne le fais pas du tout, ça se travaille au fur et à mesure. C'est les plantes qui travaillent, c'est le reste, enfin tout ce que je mets. Mais voilà, donc là, les pieds, voilà, les feuilles sont beaucoup plus petites. Enfin, ça n'a rien à voir, hein. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles vont pas se débrouiller à un moment donné. Donc pour l'instant, je les ai pas attachées. Il y a pas. J'attends qu'elles se forcissent un peu. Si on voit bien la largeur du pied, voilà, elles sont chétives, celles-là, elles sont très chétives pour le moment. Donc je laisse faire. Donc cette zone-là. Alors les zones qui sont à côté, pareil. Je les ai mis là. Elles sont aussi très chétives. Alors, je laisse faire aussi parce que elles sont mélangées avec d'autres choses. Certaines se sont fait manger même des fois plusieurs fois. Hein. Alors, j'ai oublié de vous faire voir sur la butte, j'en ai d'autres aussi. Bon, bref, on va faire le tour de tout. Elles sont plus chétives aussi sur la butte parce qu'elles sont en plein soleil, parce que je les ai mis plus tard, parce que les pieds. Voilà. C'est comme tout, je pense, il faut laisser le temps au temps. Et si elles ont après ce qu'il faut pour se nourrir, si elles ont de la bonne eau et tout, elles vont reprendre du poil de la bête. Si le sol ne leur convient pas, si elles sont trop affaiblies, bien sûr, elles ne reprendront pas. C'est la loi de la nature. Nous, on est exactement pareil. On marche pareil, en fait, hein. Et il n'y a pas de maladie qui vient de l'extérieur. Tout vient de l'intérieur. Voilà. Tout est en nous, tout est en elles. Donc si elles sont affaiblies, forcément, elles sont plus sujettes à tout ce qui vient de l'extérieur. Mais le problème, ce n'est pas ce qui vient d'extérieur, mais le fait que comment nous sommes à l'intérieur. Voilà. Donc là c'est pareil. Je vois, voilà, elles sont vraiment pas belles. Hein. Elles sont jaunes. Je ne sais pas si elles reprendront celles-là. Là, j'ai mis vraiment les pieds, les rebuts, alors forcément, elles sont jaunes. Bon, on verra, hein, je laisse. On verra, je les laisse. Voilà. Puis comme c'est un endroit où j'avais fait pas mal de cultures déjà, peut-être que là, le sol, comme moi, j'ai pas tendance à enrichir du tout, je laisse la nature faire. Tiens, mon petit Rocky, il promène. Je laisse la nature faire, donc là, il va peut-être être temps d'amender peut-être un petit peu avec. Et encore, je suis même pas sûre que ça, voilà, ça vienne de là. Je suis même pas sûre du tout. Attends, hop, voilà. Donc ici, donc là, c'est dans les pires. Hein. C'est vraiment les dernières que j'ai mises. Donc voilà, ça fait pas si longtemps que ça qu'elles sont en pleine terre. Hein. Ces petites tomates. Donc là, c'est pareil. Donc là, il y a au moins encore 40-50 pieds. Je ne sais pas exactement. Et encore, des fois, il y a plusieurs pieds par pied. Donc là, elles sont pas aidées parce qu'elles sont en sous-bois, carrément. Là, elles n'ont pas de jour, à part un jour qui vient de l'extérieur, hein, donc qui est un peu décalé. Mais elles n'ont pas de soleil du tout en direct de la journée. Donc elles vont être aussi sûrement plus longues à tenir, mais je vois que certaines, parce qu'elles sont plus à l'ombre en plus, elles ont tendance à se faire manger, je vois, parce que sur les. Voilà. Voilà. Oh, ma passiflore s'est fait bouffer. Oh, rien, voilà. Donc le problème des loches ou autre. Donc c'est comme là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a une loche qui s'est promenée. Ça scintille un peu. On voit bien la bave. D'escargots, de loches, voilà, qui est resté sur les tomates. Donc, elles se font manger, hein, chez moi aussi, les tomates. Les loches aiment bien. Faut dire que, en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus, les tomates, donc forcément, eh ben, elles mangent ce qu'il y a. Hein. Donc, voilà.
Donc ces pieds-là, ben, voilà, sont encore pas forcément super beaux, mais ils reprennent parce qu'ils étaient beaucoup plus jaunes que ça. Alors il y en a certains qui sont vraiment comme celui-ci, là. Je ne sais pas s'y prendre à celui-là. Voilà, celui-là, il est vraiment pas beau. Mais je lui laisse une chance, parce que peut-être qu'il n'est pas beau pour l'instant, et on verra ça plus tard. Là, c'est pareil, celui-là, il s'est fait manger, donc il n'a même pas grandi. Ouais, je vois, il y a de la bave partout, des escargots. Donc voilà, c'est comme ils sont sous bois et près du bois, donc du coup, vraiment là où il y a, puis c'est à l'ombre, donc du coup, ils sont bien placés pour se faire manger, on va dire. Donc, mais il ne faut pas désespérer, hein. J'en ai certaines qui se sont fait presque ratiboiser à ras et qui sont en train de repousser là-bas. Et elles sont sur la butte et je pense que je vais avoir des fleurs bientôt. Donc elles peuvent être beaucoup plus tardives, mais me donner quand même des tomates à un moment donné. Donc là c'est pareil. Donc là je suis en sous-bois. Donc pour l'instant il y a très peu de fleurs. Les pieds sont pas forcément super beaux. Hein. On voit la différence avec devant. Hein. C'est les mêmes pieds. Hein. Et puis bon, il y a eu la flotte et tout, mais elles ont moins de flotte. Et pourtant hein, voilà, sous les arbres. Bon, à part quand il tombe, ça tombe depuis un moment, donc ça finit par couler des arbres, mais enfin des feuilles des arbres. Mais autrement, voilà, elles ont, sous les arbres, elles n'ont pas la pluie en direct. Hein. Si c'est des petites pluies, elles les ont pas. Hein. Hein, c'est souvent, moi, je me mets à l'abri sous mes arbres quand je suis dans le jardin, quand ça vient, même s'il pleut à torrent, avant que ça rentre vraiment dans le feuillage, je ne suis pas trempée tout de suite, quoi. Donc voilà, donc ici, alors. Je ne sais pas s'il y a quelques fleurs qui arrivent. Je regarde quand même. Donc pour l'instant, oh bah, il y a dû en avoir parce que là, il y a même une tomate. Donc, malgré qu'ils sont chétifs, regardez, il y a déjà une petite tomate. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Mais voilà, peut-être qu'elles m'en feront moins. Peut-être qu'elles je sais qu'elles m'en feront pas pour certaines. Mais ben voilà, je leur laisse leur chance. Voilà. On essaye, puis après on voit ce qui marche. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on voit. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour les tomates. Hein. Donc je referai d'autres vidéos pour le jardin, parce que ça avance tous les jours. Hein. Je vous dis, j'y passe à peu près 3 heures par jour, voire plus. Bon, il y a des fois, je ne peux pas venir, comme là, il y a eu beaucoup de pluie ces derniers temps. Donc là, j'en ai fait un petit peu moins. Mais autrement. Autrement, ben voilà quoi, c'est je continue à avancer. Donc là, j'ai laissé mes pieds de tomate, je les laisse vivre et puis on verra, advienne que pourra pour celle-ci. Et je pense que de toute façon, rien qu'avec les pieds que j'ai devant et ceux que j'ai derrière, pas loin de la butte, là-bas, j'ai de quoi voir venir déjà en tomate. Donc sachant que nous, donc je vais sûrement faire un peu de conserve. Mais voilà, j'adore le jus de tomate avec du sel de céleri par exemple. Enfin, les tomates, on peut les tourner de différentes façons. Donc voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!